Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Les méchants. Il fout la merde, c'est la merde. C'est pas la peine. Non, vous êtes méchant. Ah, elle fait ça. Comment j'arrive à vous déjà éliminer? C'est quoi ça? On ne peut pas gagner sur un pays comme la Côte d'Ivoire. Regarde, la nation, tout un pays compte sur vous. Tout un peuple compte sur vous. J'ai fait trois semaines de route. Vous venez et pensez que la Côte d'Ivoire a gagné. Parce que si au moins vous ne marquez pas et vous ratez l'immanquable, au moins vous ne prenez pas une valise et vous ne donnez pas cette. Pourquoi vous nous faites ça même? Pourquoi? Il n'y a pas de fond de jeu. On comprend même pas ce que vous faites même. On sait même pas ce que vous faites. C'est-à-dire, on est là, on regarde le match, mais il n'y a rien. Pourquoi vous nous faites ça? Vous pensez que c'est avion et pris pour venir quoi? Trois semaines, ils sont en train de rouler, ils roulent. Et ça, mais quand on a roulé trois semaines pour venir. Vous avez vu trois semaines là, en trois buts. Et c'est normal. Je suis trop découragé, mais pourquoi vous nous avez fait ça même? 4-0. Regardez. Ils ont transpercé, c'est normal. Transpercé, transgressé. Même Drogba et Drogba. C'est toi, c'est ta faute. Tu ressembles à Rino, c'est ta faute, c'est quoi même Drogba. Non, je comprends pourquoi c'est pas l'Abidjan. Merde. Regardez. Regardez, c'est ça, c'est Carlos El Capo. Il a dit, mais il y a un trou, moi je vais y aller. Et il a été franco, et alors là, il a pris le cerveau. N'importe quoi, regardez. On dirait qu'il faut exprès. Ça là, c'est des vendeurs de drogue, celle-là, ils vendent drogue. Ils jouent quel ballon? Éléphant, ouais, c'est nous là qui est loup, mais c'est vous, mais vous êtes loup. Et 100% d'efficacité. Vous pensez on a mal? On va avoir mal. On a même pas mal même. Nous on est habitué. Cette canne là, c'est bien. Ça nous montre les vrais visages des gens. Équato Guinéen, vous êtes mauvais. Venir dans le pays des gens donner 4-0. Pourquoi? C'est méchant. 1-0 là, ça vous est pas passé? Pourquoi 4-0? C'est quoi? Le message, c'est quoi? Équato-Guinéen, même, c'est quelle langue il parle là-bas? Espagnol. Vomodiatos. Équato-Guinéatos. Vomodiatos. Estais mechantatos. Modiatos. Au fait, vous les éléphants, c'est pas vous, hein? C'est nous. C'est nous. Nous qui, chaque fois. Non, découragement n'est pas ivoirien. Découragement. Les chiens, quoi. Il y a un ballon, vous êtes en train de jouer. C'est un ballon. C'est mieux aller vaquer à mes occupations, c'est mieux. Mais vous ne tenez pas là, l'homme, vous allez battre bien encore.
Là, monsieur, là même. C'est mieux moi les vacances, mes occupations. C'est quoi ça là? C'est quoi? Oh. Deuxième mi-temps, on vous regarde. On vous regarde. Oh, moi, les conneries, quoi. Qu'est-ce que t'en penses même? Dégage même. Tout le monde peut nous gagner. Sauf les Salvador, les Sergio, les Hermano, les Amigo, les Busquets. Ballon, c'est pas coup d'Espagnol où le procès allait acheter sa cravate à Sikoji à 150 pour venir dire à l'école ici, 1, 2, 3, hola. Ballon, c'est pas ça, hein. On venait prendre coup d'Espagnol dans nos écoles ici, où elle venait jouer contre nous. Qu'au Guinée équatoriale. Si la Guinée équatoriale a gagné la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il parle plus. Il prend ma valise, il m'avait dans mon pays, Philippines. Je suis philippien en même temps. Ou je suis tchadien. Là-bas, moi, il n'y a pas ballon. Ou bien je suis indien. Là-bas, moi, il n'y a pas ballon. Il n'y a pas gourmet de ballon. On vous a dit ballon, c'est l'histoire de Francisca qui a vu Salvador au bord de la mer en train de pêcher. Et ils ont Mungu ensemble. Elle est tombée enceinte. Elle se cache par les derrière. Pedro pour Mungu. Ce n'est pas une nouvelle, hein? Si vous n'avez rien vu aujourd'hui, c'est 3-0. Sinon, vous allez l'huler. Ou bien que ballon, c'est affaire de hola, amigo, amore mio. Ciao, coup de bonheur, ciao, hola. J'ai dit, mais tout le monde peut nous gagner. Tout le monde peut nous gagner. Sauf les, vous vous y êtes là, les amigo, les Sergio, les Busquets, les Salvador. Notez quelque part 3-0, on les chute vite fait 3-0 et puis c'est fini. S'il vous plaît, la personne qui dort avec Sergio Rie, mettez son réveil à 18h. Au moins, il va se réveiller, la ballon est déjà fini. On peut pas voir ces moules, on dirait placali fermenté dans un village gourou, il n'y a pas courant là. Non. Guinée équatoriale. On a dit c'est histoire de pêche. Où Pedro va venir porter chapeau. Là, chapeau, on dirait truc, les ailes d'aigle. Venir attendre Francesca au bord de la mer. C'est pas ça. C'est moi. Guinée équatoriale, ils ne peuvent pas. Jamais, même s'ils ont vu filer, c'est que c'est hors jeu. Mais hors jeu, même, va regarder pour dire c'est hors jeu. Au Guinée équatoriale. Bon, là je crois que vite fait. Fais-moi. Amour et mieux, amigo, Salvador, Eke, Oguiné. Le match vient de finir. Je pensais même que c'était 3-0 parce que je ne voulais pas regarder la fin du match. Mais apparemment, c'est fini 4-0. En toute franchise. Moi, je pense que c'est la plus grande humiliation de toute l'histoire du football. Je ne sais pas comment ça se passait avant 1960, 70, 80, j'étais pas né. Je ne sais même pas. Mais ce que je viens de voir là, personnellement, c'est la plus grande humiliation de toute l'histoire du football. Une grande compétition organisée par la Côte d'Ivoire, le pays hôte. On gagne 2-0 au premier match, où on pouvait gagner même plus. Le deuxième match, on perd contre le Nigeria, parce que l'entraîneur a décidé de changer la formation, c'est-à-dire que lui... il fait une formation qui passe au premier tour contre la Guinée Bissau, mais pour le deuxième match, lui, il change. Parce que c'est lui qui décide de changer, qui veut changer, donc il a changé. Même le Real Madrid, 2016 à 2018, trois Champions League de suite, ils ont gardé la même formation, le même 11, avec que 2-3 joueurs qui sont venus, 2-3 qui sont partis. Nous, on change quand on veut, on modifie quand on veut, parce que nous, de notre tête, là, ça ne va pas. Ensuite, on vient, et qu'est-ce qui se passe? On vient et on perd contre le Nigeria. Maintenant, il y a un match. On cherche même à être meilleur troisième. Sinon, premier. On perd 4-0. 4-0. Je ne connais même pas le nombre de joueurs qui sont qui jouent dans des grands clubs en Guinée équatoriale. À part Emilio Nsoué et puis, je sais pas, l'autre là. Donc, c'est-à-dire que une équipe... Voilà, tout le monde ferme. Une équipe n'a pas besoin de nom pour gagner. Une équipe gagne parce que les joueurs jouent avec le cœur, les joueurs jouent avec honneur. Franchement, j'ai des amis dans la sélection ivoirienne. Peut-être sans dire le nom. Mais franchement, je suis déçu de tout le monde. Tous les joueurs, entraîneurs, fédérations, tout le monde. Parce que là, c'est un gros manque de respect envers les Ivoiriens. Je m'en fous des vannes entre Ivoiriens, Camerounais, Ivoiriens, Burkinabé, Ivoiriens, Maghrébins. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est des vannes sur Internet. Mais là, on parle maintenant franchement. En tant que supporter et puis tout. Nous sommes des ambassadeurs aussi de cette CAN. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous représentez la Côte d'Ivoire. Vous êtes payé à des millions, à des milliards pour certains. C'est quoi vous jouez là? Et puis vous êtes mené 2-0, 3-0, vous mettez des machins sur le terrain avec zéro honneur. Et c'est ce qui me défend le plus même. Zéro honneur. C'est méchant ce que vous faites là. C'est très très méchant.
C'est une humiliation. Il ne sait même pas. Franchement, si je faisais la... Franchement, si je faisais la vidéo juste après le 3-0, peut-être je vais me mettre en prison. Parce qu'il y a des mots que j'allais dire qui n'allaient pas, hein, qui n'allaient pas être catholiques. Non, non, en vrai. En vrai. Et la CAN va finir. Juste après, l'entraîneur sera toujours là. Les mêmes joueurs vont revenir parce que c'est des affinités apparemment, parce que je ne vais pas comprendre comment un joueur qui ne fout rien est toujours appelé. Même Ronaldo, on l'a mis sur le banc, quand il n'a rien foutu contre, je ne sais pas contre qui, après la suite, quand c'est passé, ils l'ont mis sur le banc. Lui qui est l'un des plus grands joueurs de toute l'histoire du foot. Maintenant, vous, vos joueurs, c'est des affinités. Lui, j'aime le gars, il joue. J'aime le gars, il joue. Donc, il va jouer faussement. C'est quoi cette méchanceté là? C'est quoi ça? Vous supportez là, vous battez pour le drapeau et voilà, mais vous battez pour vos propres intérêts. Respectez un peu les gens, c'est méchant ce que vous faites là. Vous venez de nous humilier, et les supporters, et nous-mêmes les ambassadeurs en grippe de cette canne là. On était contents, mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au moins, si on élimine avec 1-0, on peut parler, mais humilier 4-0. Donc, on va partir au stade encore. Pour soutenir. Et moi, je vais partir au stade pour faire quoi? Soutenir parce que lui, c'est quoi? Placement de produits. Non, on s'en fout des placements de produits. On parle en toute franchise hein, maintenant. C'est avec le cœur qu'on parle. Franchement, c'est décevant. C'est très, très nul. Moi, j'ai vu des gars qui ont parié. Deuxième but de Guinée équatoriale. Troisième but de Guinée équatoriale. Tellement, j'étais sûr qu'on allait perdre. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, je ne sais pas si c'est une remise en question. Vous allez vraiment faire ou bien vous allez continuer comme d'habitude. Si vous voulez. Être votre sélection, vos joueurs là, créez votre pays à part, votre vous jouez à part, et faites venir des joueurs qui viennent, qui jouent vraiment avec le cœur, et des entraîneurs qui méritent d'être des entraîneurs. Arrêtez de payer les gars chers pour rien. Arrêtez de faire ça. C'est méchant ce que vous faites. Aucun honneur. Méchanceté. Méchanceté. C'est une humiliation. Je suis déçu.